Bah dis donc, c'est plutôt décevant. Super. Qui frappe pour voir si Barbie est là? Et pour moi, c'est bon. Ouais, allez, avanti. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors, montrez-moi ça. D'où ça sort? Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil pour une 239e review de merde avec ce jeu Galaga. Alors, petite histoire, je l'avais trouvé en loose à 2€ en vide-grenier. Un type en fait revendait toute sa collection de jeunesse et autres, mais il s'y connaissait un petit peu donc les prix étaient assez conséquents. En tout cas, les jeux en boîte, mais quoi, je regrette vraiment parce que il y a encore 6 mois. Ce qui pour moi était hors de prix, c'est-à-dire 7€, 8€ un jeu en boîte NES. Maintenant, c'est complètement con d'avoir dit ça, quoi. Parce que maintenant, on ne trouve plus rien, quoi. Donc je regrette parce qu'il avait beaucoup d'autres jeux que j'aurais pu prendre. Bon, bref, j'ai cru en prenant ça que ce serait un bon shoot'em up à la Gradius. Mais je me suis trompé, voilà, on a quoi? On a affaire à une petite évolution. De Space Invader, hein. Il y a eu les Space Invaders, bon. C'était assez statique, c'était le vaisseau ne n'avançait pas, bien sûr, hein. Il n'y avait pas de scrolling. Les ennemis, c'était à peu près la même chose, mais beaucoup plus statique, c'était assez lent. Ça tombait de cran par cran, c'était pas très réaliste, mais bon. Et là, donc, on est sur NES, et d'avoir un jeu comme ça, on compare à plein d'autres jeux de l'époque, c'est vraiment peau de chagrin ce jeu, quoi. Alors je sais c'est du old school, mais moi j'ai l'impression d'avoir une Atari 2600 là. J'ai pas l'impression d'avoir une S. Ce décor, vous voyez, peut-être au niveau de la capture, mais il y a juste un petit peu une espèce de scrolling. Hein, une illusion, un trompe-l'œil, c'est-à-dire avec quelques 4 petits points de pixels. 4 pixels plutôt, ou 6, 7, 8, 9, bon. 13 si ça vous fait plaisir, ils défilent, voilà, ils descendent vers le bas, donc on a l'impression d'avancer, ce qu'ils faisaient des fois, je vous dis, à Space Invader. Et lui aussi Galaxian, alors je sais pas si Galaxian est sorti avant, mais bon, on peut comparer sur Master System avec Power Strike, on verra qu'il n'y a pas photo, quoi, il y a beaucoup plus de choses en Power Strike, même si c'est assez sobre, là, bon, franchement... c'est des jeux, je supporte pas, quoi. Là, j'ai joué une fois, mais je regrette vraiment d'avoir dépensé 2€ pour ça. D'ailleurs, voilà, c'est déjà fini. Sur ce, à plus mes puces pour une prochaine vidéo. C'est pas bien. Bon, alors, hein? Alors, salut, ça fait...